Aujourd'hui, nous avons des diasporas. Diaspora, ça veut dire présence, installation, statut social, statut financier, et donc quelque part un futur numérique. Et le lien que nous établissons avec vous aujourd'hui, c'est de que ce lobby soit dans les deux sens, que les Algériens reconnaissent leurs compétences à l'étranger et leur ouvrent les portes pour qu'ils puissent s'exprimer, et que les radios communautaires font la même chose pour les réussites franco-algériennes, algériennes en France, mais aussi également pour les compétences d'ici, parce que je peux vous dire en dehors des derniers tubes musicaux qui sortent et des derniers bons joueurs de l'équipe d'Algérie, tout ce que l'Algérie produit aujourd'hui en termes de compétences se met connu à travers la communauté. La deuxième chose, donc effectivement, une coopération beaucoup plus large. Et je poserai la question, mais on réfléchit, quelle coopération pourra-t-on demain avoir entre les trois radios du Maghreb et ces radios communautaires pour que nous soyons, nous, leur clé de ce qui se fait ici. Et comme c'est la radio algérienne qui a pris l'initiative, va-t-on faire quelque chose que M. Aboussi, demander à ce que aussi, par votre statut central géographique, vous vous rapprochiez aussi de vos confrères, la Tunisienne et l'Algérien, pour qu'on puisse, la Tunisienne, l'Algérien et le Marocain, pour qu'à trois, on puisse travailler tous ensemble. Et vous verrez que, en fait, il suffit de commencer. Si on commence 2, 3, 4 ans après, il y aura un fruit. Et ce qui produit au Maroc sera bientôt bon. Merci. Merci.